Bonjour tout le monde, vous êtes de retour avec nous pour l'épisode numéro 4 de la série 7 Days to Die. Alors, dernier épisode, on a un peu barricadé notre forteresse et on a conçu une sortie qui était assez importante si on voulait garder une base quand même bien faite, bien sécuritaire. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il est rendu 8h14 et c'est l'heure de sortir. J'ai replacé la bonne majorité des pieux à l'extérieur, mais je vais quand même faire juste une petite tournée parce qu'il y a quelques endroits que j'arrivais pas à placer parce que j'étais trop loin. Comment je sors déjà? J'ai pas encore de porte, hein? Merde. Pour l'instant, on va juste faire un petit trou pour passer. Est-ce que j'ai du métal sur moi? Oui. En fait, ce que je pourrais faire, c'est... C'est comme une porte directement tout de suite, on pourrait la poser tout de suite. Ça serait fait. Et un petit coup, voilà. Rusty metal door, donc une porte en métal. Oups. Donc ça devrait être... assez efficace pour tenir les zombies à l'écart. Je viens de voir que j'ai plus mon spawn point. Et merde. Je pense pas mourir de toute façon, donc c'est pas si mal. On va aller explorer un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a au nord? Je me souviens plus ce qu'il y avait. Je vais aller au nord. On va aller voir ce qui est intéressant. Ça serait bien de trouver des munitions aussi. Parce que je commence un petit peu à être à sec. Et je voulais aller chercher du sable aussi éventuellement au sud. Donc, j'ai quelques ralentissements. Je pense que j'approche de la forêt, ça aide pas. J'ai ramassé un peu de bois. Prendre un peu d'eau pour remplir le stamina, bien sûr. Et voilà. Magnifique. Un arbre géant. Pourquoi j'ai juste eu 5 morceaux? Étrange. J'ai quelques lags. Donc, je pense que je vais arriver au même endroit que la dernière fois. Oui, effectivement. Est-ce que les trucs respawn? Je pense pas. Non. J'ai quelques saturations, j'ai quelques lags en fait. Je sais pas ce qui cause ça. De toute façon, je suis pratiquement rendu à la ville. Donc c'est pas très grave. C'est de ne pas mourir. Il est épuisé. Qu'est-ce qui court? Disons que je commence. Mais pas que je commence à avoir hâte, mais j'ai hâte en fait que les développeurs sortent une patch ou une autre version pour si possible ajouter un peu d'optimisation au jeu parce que présentement c'est assez. C'est assez redoutable. Il faut signaler aussi que je suis... tous mes options graphiques sont au minimum, je crois. Incluant la distance. C'est vraiment, je pense, le plus gros problème du jeu pour l'instant. Parce que... j'ai des... mon système est quand même beaucoup plus puissant que les... Le minimum requis, puis quand même j'ai beaucoup de ralentissement sans vraiment aucune raison. C'était vidé, ça c'était vidé. Mon son il semble quand même assez fort, je vérifie si...
Ok, c'est que je suis au volume maximum, c'est pour ça. Excellent, c'est réglé. Donc j'avais exploré, je crois, j'avais vidé ces maisons-là, je pense, si je me trompe pas. Oui, effectivement. De l'eau un petit peu, ça va faire du bien. La nourriture, je sais pas pourquoi je ramasse ça. Ça, j'ai plus besoin de ça. Ça, j'ai plus besoin de ça. L'eau, c'est toujours utile. Salut! Donc, d'autres bouffes. Là-dedans, y a rien. Je pense que j'avais exploré celle-ci, si je me trompe pas. Peut-être pas, en fait. Je vais aller voir en haut. Juste pour être sûr à 100%. Peut-être pas, peut-être. Non, je pense que définitivement. J'étais pas venu ici. Est-ce que je peux vous assurer que j'aurais pris les munitions et les armes? La Bible. Dans le grenier. Vite fait, bien fait. D'autres Bibles. Des bouteilles vides, toujours pratique. L'acclimatiser. D'autres trucs dans la poubelle, on a quoi? On a rien. C'est une famille très propre qui habitait ici. Rien dans les poubelles. Faut dire qu'ils sont maintenant morts, donc... Non, pas vraiment de mérite. La prochaine maison, que dit... Oh! Policier, mission. Oh, bonjour. Si je me trompe pas, c'est les deux maisons au sud que je vais explorer. Right. Ouais. Donc, je vais explorer les deux maisons au nord cette fois. Histoire de garder une certaine continuité, je pourrais dire. Munitions! Donne-moi les munitions, donne-moi les munitions. Oui! En fait, je sais pas pourquoi j'utilise pour mon arme à point nu. Pas à point nu, mais arme de mêlée. Elle serait beaucoup plus rentable à long terme. D'autres munitions, magnifique. Excellent! Je commence pas à fouiller dans les poubelles, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu long. On s'en fout un peu. On ferme la porte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais ici? Je croirais pas. Et voilà, la preuve. Excellent. Une boîte. Des bouteilles d'eau, des painkillers. Un bureau. Non. Non. Une arme. Un coffre. Ça, non, il n'y a rien d'intéressant ici. Un coffre là. Non. Voilà, je suis maintenant rendu à 20 painkillers. Magnifique. Alors là, ça va être l'étape de retourner. Est-ce qu'il y avait un sous-sol? C'est un peu une maison de merde ici en fait. Un seul étage. Ok. Munition. Oui. Pardon. Maintenant, il m'en reste qu'à explorer un petit peu les ruelles pour trouver des trucs comme ça. Magnifique. Donc, pour ce qui est des munitions, pour l'instant, ça va pas si mal. J'ai quand même trouvé pas mal de trucs. En fait, je sais pas pourquoi j'ai ramassé ces deux choses-là. Ça me sert absolument à rien. Sac. Nourriture.
Wow, MP5 enfin. Ouh! Mitraillette. Est-ce que je peux avoir un policier, s'il vous plaît? Ils font quand même mal, les merdes. Bon, munitions. Wow, 10. Est-ce qu'il y a un sous-sol ici? Pourtant, il y a une fondation étrange. Ok. Je peux rien faire avec ce gars-là. Tant pis. Qui s'arrange. Donc, on peut voir que les zombies policiers obèses sont quand même assez. Ils valent quand même très la peine pour les du loot avec des fusils à pompe, des munitions en bonne quantité. Donc, ne jamais passer. Rater une occasion de ramasser ce qu'ils ont. Ça vaut la peine. Je pense que je vais aller faire un petit tour à la ferme. Est-ce que j'ai le temps? Quand même loin. Ah oui, j'ai le temps. Je vais faire un petit tour à la ferme avant de retourner à la maison. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller voir la série qu'on a commencé en coop, moi et Aurélien, sur ma chaîne. Pour ce qui est des deux premiers épisodes, je pense qu'il y a eu un petit problème technique et il n'a pas réussi. Je pense qu'il a perdu en fait les fichiers d'enregistrement, donc il n'y aura pas les deux premiers épisodes sur sa chaîne, mais pour la suite il va les avoir aussi sur sa chaîne, donc ça va être bien d'avoir deux perspectives différentes. Oups, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais boire les stacks plus petits avant. Prennent plus de place. 15h10. Est-ce que j'ai le temps de looter la ferme au complet? Négatif. Ce que je vais faire, je vais. Si les foutus ponts fonctionnaient comme du monde, on pourrait traverser dessus, mais. Ils s'écroulent lorsqu'on marche dessus, donc c'est pas une bonne idée. D'autres munitions, je suis maintenant rendu à 45 pour le fusil à pompe, pardon. Pour ce qui est de la ferme, ça va être limite en fait, mais ça vaut la peine, je crois. Ce que vous entendez à gauche, les bruits de trucs qui s'écroulent, c'est sûrement un animal qui court dans la jungle, pas dans la jungle, dans le dans la ferme et qui détruit des plantations. Est-ce qu'il y a un endroit pour rentrer? Je vais quand même devoir faire vite parce que ça risque d'être un petit peu limite. J'aimerais bien une chainsaw en fait, ce serait assez efficace. Il n'y a absolument rien en haut ici, donc on s'en va d'ici absolument tout de suite. Une chainsaw là-dedans peut-être? Come on, une chainsaw. Une chainsaw. Une chainsaw. Décevant. Oh! Décevant. Donc, retour à la maison encore une fois. Donc, c'est par ici, je crois. Négatif. L'autre côté, absolument. Il va rester la maison à venir explorer. Je vais vérifier la voiture tant qu'elle est là. Chose intéressante dans le garage pour une scie à chaîne. Comment une chainsaw? Ça? Non, j'ai d'autres. On va se débarrasser de quelques stacks encore une fois. Ah merde! Donc ça aurait pas été un épisode très productif, on dirait. Le jeu rendu à 14 minutes 40 et plus. Ah. Peut-être dans la boîte, j'ai sûrement vérifié, c'est absolument certain. Excellent. Je peux essayer de passer sur le... Non, je vais mourir si je passe sur le pont.
J'allais dire, je peux essayer de passer sur le pont pour voir s'il s'écroule, mais c'est sûr et certain qu'il va s'écrouler, donc je ne prendrai pas de chance. Et voilà. Donc, on se redirige vers la maison. Malheureusement, je crois que c'est ce qui mettra fin potentiellement à cet épisode. Ça me fait faire quelques kills en chemin. Salut! Je vais aussi, en fait, ça n'a pas rapport avec avec 7 Days to Die, mais ça a rapport avec ma chaîne. Je vais aussi commencer une série bientôt avec le jeu Chivalry Modern Warfare, qui est un jeu en première personne, en multijoueur principalement, qui est un peu un même principe qu'un first-person shooter, mais en médiéval, donc avec des épées, des arcs, des trucs comme ça. Puis si les missions, les maps ont des missions comme défendre un certain point ou attaquer un certain point ou trucs comme ça, attaquer les villageois pendant que l'autre équipe défend. C'est assez bien fait et il y a beaucoup de joueurs qui jouent à ça présentement. Donc je me suis dit que j'allais essayer un petit peu, puis c'est quand même assez compliqué. J'ai commencé un petit peu, puis après une dizaine de parties, je sais même pas si j'ai 20 kills, donc c'est un peu terrible, c'est pas super efficace. Mais je vais peut-être commencer une série un peu drôle pour vous montrer à quel point je suis affreux. Puis par la suite, en fait, au fur du temps, au fur et à mesure que ça avance, vous allez pouvoir voir mon évolution pour éventuellement, si possible, devenir de plus en plus efficace. Oh mon Dieu. Ouf. Donc on va faire une petite fin d'épisode un peu violente. On va éliminer tous ces zombies. Des loots, non. Négatif. Nice shot. Donc oui, après les épisodes de Chivalry devraient être en ligne bientôt, soit peut-être même aujourd'hui dans une demi-heure environ, si j'ai le temps. Puis sinon, ça va aller demain avec l'épisode 2 du co-op avec Aurélien sur Seven Days to Die. Adieu. Ça t'intéresse, je suis un œil pour ça. Puis, sinon, je vais looter les infirmières pour des bandages que j'ai aucune idée à quoi ils servent. Sûrement comme des painkillers. Et voilà. Un peu de métal pour la route. Ça devrait être pas si mal. Je viens de voir qu'il n'y a pas de pic là, présentement. Je vais aller faire un petit tour. Et je crois qu'on va terminer avec ça. Alors, comme à l'habitude, merci d'avoir regardé, puis on se retrouve au prochain épisode pour la nuit. Alors, merci d'avoir regardé et on se retrouve à la prochaine. Ciao!